Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une recette de riz au poulet et à la crème. Vous allez voir, c'est une recette facile et rapide à faire et surtout délicieuse. Vous pourrez réaliser ce style de recette en semaine car c'est vraiment très rapide. Alors pour cette recette, il va vous falloir très peu d'ingrédients. Donc j'ai choisi de prendre du riz rond, car il se cuisine très bien avec la crème, un oignon, du sel, du poivre et également du poulet. Pour commencer, vous mettez de l'eau dans une casserole et vous allez laisser bouillir. Ensuite, on va mixer notre oignon. Entre-temps, j'ai mis mon riz à cuire dans la casserole. Vous laissez cuire le temps qui est indiqué derrière la boîte de riz. On coupe notre poulet en petits cubes. Donc voilà à peu près la taille qu'il faut. Ensuite, dans une poêle, on va mettre de l'huile d'olive. On laisse chauffer un petit peu et on vient ajouter l'oignon coupé. On laisse prendre un petit peu l'oignon. Ensuite, on vient ajouter notre poulet. On laisse cuire un petit peu. Et on vient ajouter du sel, du poivre. On laisse mijoter avec les épices. Et on vient ajouter la crème semi-épaisse. Ensuite, on va laisser cuire. On laisse vraiment le poulet prendre avec la crème. Et une fois que c'est cuit, on vient mettre de côté. Alors, une fois que le riz est cuit, on vient le disposer sur une assiette. Et on va venir ajouter le poulet avec la crème qu'on a préparée juste avant. J'ajoute un tout petit peu de persil par-dessus. C'est facultatif. Et voilà un joli résultat. C'est vraiment un pur délice et vous avez vu, c'est une recette qui est hyper facile à réaliser. Donc voilà pour cette petite recette facile et rapide. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous!